OK. Maintenant, nous avons écrit un trade sur la fiche de recensement. Nous allons continuer avec le même trade, hein, avec les mêmes notions dans la suite, suite et fin, au niveau de l'affichage. Beaucoup de personnes ont dit hier, mais ben, tiens, on va vous appeler ceci, cela, c'est même pourquoi. Je vais donc vous dire pourquoi donc c'est ça. Alors, nous voyons ceci. Ici, on va écrire ça d'une autre manière. Encore maintenant. Je dis procédure interne. Hein? Je dis appel liste. Vous voyez un peu. Lui, il va nous prendre quoi? Je veux dire son attribut. Pense que même lui, on va voir un peu. Non, la 23 ne permet pas ça. Désolé. Désolé. On va passer par une autre méthode. On va écrit comment on sélectionne rien que ce code-ci qui nous intéresse. C'est ce code-ci qui nous intéresse, non? Clic droit, nouveau, hein? J'ai dit affiche, non, j'ai un truc affiche. Appel, heureux. Recensement ou bien appel liste recensement. J'enregistre. Je viens donc directement ici. Je dis que tu es dans un trade. C'est ça, non? Je dis callback est une procédure. Voilà. Maintenant, ici, je vais... Comment je peux faire ça? Bon, OK. OK, s'il remplit ça comme ça, c'est pas grave. Execute trade. Execute trade principal, n'est-ce pas? Je lui dis. Il va prendre vrai directement. Il va prendre directement vrai. Parce que ça, c'est la valeur tout. Tu as vu, non? Il nous renvoie ce tableau. Tu vois un peu. C'est bon, Ulysse. Maintenant, je rentre. Quand maintenant je rentre, je viens donc dire quoi? Callback. Callback là. Hein? Callback response. Maintenant, je viens appeler la procédure interne. Procédure interne. Puis call. Reste. Voilà. Il me prend quoi? Il me prend success. Est un booléen. On n'a pas dit qui gère l'erreur. On a seulement dit que renvoie nous. Tu vois un peu.
Donc, il nous renvoie quoi? Un tableau. Il nous renvoie un tableau. Si Ulysse me permet d'aller copier le même tableau qui va nous renvoyer ici, le voici. Je rentre. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis, si B succès, fin. Si B succès, je commence par affecter ce tableau. Égale à une liste. Ça non. Voilà. Et je viens donc, je prends donc tous ces gens-ci. Oh. Je prends donc tous ces gens-ci. Je viens coller ici. Quand j'ai fini de remplir, par exemple, je dis B succès, il remplit, 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 il aligne et il annule le sablier. Ici, il déclenche le sablier. Si je viens exécuter pour voir un peu. Ouais, vous avez le sablier, non? Je viens là. Vous avez le sablier, non? OK. Maintenant, on va un peu tester pour voir si on n'a pas d'erreur. Faire les tests. Oui, masculin. Téléphone. Tête plus 33. Le nom, Tchoubou, prénom, Ulysse. Bon. J'ai oublié Donatien. Il m'avait dit qu'il était ingénieur de télécom. Il est ingénieur informaticien. Voilà. Maintenant, je vais à suivant. Ulysse. Diplocam. CM. Le pays de Ulysse, c'est Cameroun. France. Bonjour. On dit que Ulysse n'aura pas le visa. La France, maintenant, sa ville, c'est Paris. Date d'entrée, il est là-bas. Il est là-bas depuis. Il est là depuis le 2 février 2017. Il a un travail là-bas. Là-bas,
il est là-bas, il est cadre d'administration. Il a pris fonction, il avait pris fonction le 10 octobre 2018. Voilà, ah, je les recherche, vous voyez déjà, on a des erreurs. Oui, ah oui, votre fameuse erreur de trade là. Donc, nous allons corriger ça. Oui, la clé, on dit opérateur, c'est cela, nous allons corriger. Maintenant, vu donc que nous avons terminé de créer nos trades, on va donc tester l'ensemble de notre projet. On commence. Non. OK. Je vous ai dit que quand vous finissez, il faut vider les champs. Il faut toujours vider les champs. Bon, je ne le fais pas parce que vraiment, c'est trivial. Ça, non, Ulysse. Sans toutefois perdre le temps, vous voyez, ça charge. Recenser. Bon, on va prendre M. Chencher. Je n'ai pas sa photo. Masculin. M. Chencher est au Canada. Au Canada, c'est que l'indice du pays du Canada. Ah, c'est plus 1. Oui, non, non, c'est plus un 400 quelque chose. Donc, on met peut-être encore des choses derrière. Maintenant, c'est Chencher Eric comme prénom. Bon, la date, j'estime. Maintenant, né à Balevin. C'est à l'ouest, maman. Ça. Maintenant, il est. Comme il y a tellement d'informaticiens, je suis habitué. Informaticien, ingénieur informatique. On continue à suivant son adresse vu que il est au Canada, donc il n'utilise pas l'adresse de la diplocamu. Il dit Erico. Erico. Arrobas, lui là opté pour yahoo.fr. Son pays, c'est le Canada. Canada, la ville, c'est Toronto. C'est ça, non? Pardon. Il est là-bas. Il vient juste d'arriver. Ça ne fait pas un an. Aussitôt, il a trouvé du boulot. Il a trouvé le boulot dans une ONG où il est chargé d'études. Chargé d'études à voilà. ONU Canada. Il a pris fonction. Il a pris fonction. Il venait juste de prendre fonction juste avant le COVID. Donc, en janvier 2020. Quand on valide,
Voilà. Si on vient, on essaie de regarder Canada. Vous voyez, change numéro de téléphone. Donc, voilà. Voilà comment les trades sont gérés. Et avec ça, nous sommes à l'aise. Et tout est OK. Maintenant, donc, vous allez me dire, il y a des petits bobos par ici. On a fait exécuter, peut-être. Oui. J'ai appelé cette fenêtre. Donc, BT lien. Voilà donc ce qu'on devait faire. Nous connaissons déjà comment on écrit les trades et on voit l'avantage des trades. C'est rapide parce que nous sommes en local. Quand c'est en ligne, vous voyez un peu quand même l'animation. Oui, c'est rapide parce que nous sommes en local, c'est normal. S'il y en ouvre le port, 4900, moi je devais directement faire partie de mon port. Oui. Donc là, nous sommes en local, on a l'impression que c'est hyper bon. Bon, OK. Donc, pour la suite, nous allons générer l'APK.